Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hopcraft. Je viens de défoncer une base au canon TNT, je suis très heureux. Parce que dans les coffres, il y avait 35 diamants. Oui, 35 diamants. Alors c'est cool, je sais pas ce que je vais en faire encore. Mais je vais les garder, vous inquiétez pas. Alors il n'y a pas qu'intérêt là, je suis posé. Donc là, on va faire. Je fais canon TNT basique, hein. On va juste l'allonger un petit peu. Ah, je parle de notre bidon. Allonger de 1, 2 même. C'est pas grave. Non. Ah merde, on va falloir déplacer nos coffres par contre. Ah, ça c'est con. Là, on déplace vite nos coffres. Donc faut faire vite hein, mais on l'a enculé à base. J'ai fait un 7 hommes donc on est tranquille. Je crois que j'aurais pas assez de répiteurs. Oh, oh si j'en aurais assez. TNT, 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 des fils de redstone. Mon bouton, il est là. Il me faut encore des fils. Voilà, c'est fil. On va creuser derrière pour se protéger. Petite protection en bois. C'est bon, ça marche. Oh, j'ai loupé. Ouais. On prend le quartz, on peut le revendre au shop. Je pense que dans le bordel, il n'y a pas grand chose. Donc, ouais, ça va suffire. Hein. On est assez niqué. Donc, là, je vais mettre un off. C'est tout ça quoi parce que bah déjà tous les kits en fait c'est le kit new qu'on peut se faire tout blazer et avec ce kit en fait on peut plus le vendre au shop du coup on a trouvé une technique c'est on les met là on les met par deux et comme ça on pourra les vendre déjà ça va nous faire de la place. Non. On va prendre les 35 diamants, on va venir avec tous les trucs utiles quoi. Je vais laisser la structure du canon TNT, ça pourrait nous être utile. On l'a bien niqué en tout cas. Enfin, je l'ai bien niqué. On avait essayé, mais on n'était absolument pas du tout arrivé. On avait essayé de les défoncer avec un canon de base. Du coup j'ai ramené tout le matos, je vais essayer d'appeler un Drex. J'ai ramené tout le matos, voilà on a bien niqué leur base. Dans ce coffre je ne sais absolument pas, il y a un coffre, hein. Je ne sais absolument pas, il est juste là. Un petit canon TNT. Juste une TNT. Pour dégager tout, je vais chercher mes torches. Mes torches, où sont mes torches? Là.
Ready, go. Tu voulais, à mon avis. Bon, ça veut pas marcher. Tant pis, on a les 35 diamants, on a rien à foutre maintenant. Et j'ai deux sacs de fer, je crois. Pas des bâtards, on va leur laisser. Je laisse la structure au cas où. Ça peut toujours servir. Donc, si c'est pas, on va les fusionner. Comme ça, un, on pourra les vendre et deux, on pourra les stacker plus facilement. Les pioches sur les gars, par contre. Les haches, rien à faire, on les fusionne. C'est que des haches. Non. Oh, beaucoup d'or. C'est cool ça. Donc, je vais vous montrer notre base aussi. Donc voilà, là il y a des trucs. Là, on va tout vider là. On va voir après. Alors vous avez, vous voyez peut-être sur ma droite, des fois avec des boutons dessus. C'est juste que en voyant au shop, j'ai vu des boutons. J'ai dit, on peut en vendre, on peut en vendre, on peut en vendre, mais on ne pouvait pas en vendre. Du coup, je me suis retrouvé avec 5 de boutons sur les bras. Tu fais un 7 hommes. Je vais laisser le 7 hommes pour l'instant. On récupère nos coffres quand même. On va pas gaspiller les coffres. Wow, on pourra tout prendre. On l'a bien dépouillé là. Oula, il y a du cri là. Fanatic 22. Je crois que ce pseudo me dit quelque chose. Je crois qu'il est sur Edward ce mec. Ouais. Donc voilà, ça a un petit peu explosé. J'espère pour lui que tu restes vite. On a bien fait d'utiliser les minerais, n'empêche. Là, il y a que le bordel, donc à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, il y a peut-être des trucs cool, mais tant pis. Donc on va se dire à tout à l'heure, enfin à tout de suite, parce que moi, je fais une petite pause, là. Je vais aller vendre tout ça. Et on se retrouve plus tard. Allez, ciao, ciao. Bonjour tout le monde, on se retrouve en compagnie de Andrex 2010. Salut Andrex. Pour une pêche partie sur Craft. Ah oui, il y a des fifous, ils sont venus. Et c'est là, normal. Bon, bien, on descend. On ne sait pas pourquoi, mais on rejoint. Je me suis fait un enchant, un breaking 2, le plus ici 2. Il y a des canapés dans tous les sens là. Faut pas attendre. Hein. Je pense que je vais faire un accéléré. Accéléré! Ah c'est bon, on peut parler, je le fais en accéléré. Oh, tu me touches, t'es mort. Vas-y, on peut se rappeler des gens. Des dégâts. Un tiers de tiers de tiers de tiers de... Il y a un mec qui s'est mis devant, je les vois pas là. Il a essayé de nous choper le mec. T'es vu par la canne en pêche, sérieux? C'est du PvP à la canne à pêche là. Viens m'aider. Il a quoi sur lui? Parce que s'il avait pas beaucoup de save, moi je le kill. Hein. Je suis votre ami.
Parlez-vous. Barre-toi, moi j'ai une épée, toi t'as une pioche, alors tu fermes ta gueule. Y a déjà une pioche dessus. De fils de pute. Ah, c'est lui qui m'a agressé. C'est lui qui m'a agressé là, moi je me défends. Hein. Ouais, plus personne derrière moi. C'est des enculés, c'est eux qui m'attaquent et je me fais défoncer. Perdu. C'est où la pêche partie? Je trouve pas la pêche. Go to pêche partie. Non mais le mec, je suis tranquille en train de pêcher, puis il m'attaque, moi je l'encule. On me dérange pas quand je pêche. Yeah. Ah merde, je suis tombé. Moi, je pêche. Je suis neutre. Ah merde, c'était pas ma canne à pêche. Oh, j'ai gagné une canne à pêche. Gagné des boots. C'est toi qui as lancé ta canne à pêche. J'ai vu une canne à pêche partir. Il est encore là. Ah ok, creuse. Non, j'ai peur là. J'ai peur avec du mec là, il s'approche de moi. Pas fait exprès. Il y a du kill au fond là-bas. Ah mais c'est toi? Ça va toi? Allez, ça part en kill, moi je me casse. Un rollback. Ah je vais enculer le mec. Ah, j'ai buté un mec, je suis content, je me casse. Comme c'est parti trop en couille. Bon, salut, en 3 points, c'est parti un peu en couille là. Vous avez vu avec ce petit combat. Donc, moi, un slash homme. Une... Slash. Oh. Ciao. Voilà, nouvelle base, parce qu'on s'est fait enculer l'ancienne. L'épisode va s'arrêter là, c'est partie de pêche qui part en couille. Elle avec de la lave bugué là-bas. Une nouvelle faction est apparue sur Earthcraft, la Réa Soigreg. Ouais, c'est tout le monde.